Voilà, on est avec Monsieur Andruet. Donc vous êtes champion du monde, c'est ça? Par équipe, 7 fois. Sept fois. Et j'ai été champion d'Europe, 7 fois champion de France individuel en rallye et 7 fois champion de France individuel en circuit. D'accord, donc vous avez participé donc ce soir à la manche historique du Grand Prix de Pau. Oui. Avec la M3 3 litres de Gérard Marie. Donc les petites sensations des rallyes de Pau, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du circuit de Pau, qu'est-ce que vous avez pensé du circuit? Moi j'adore les circuits en ville de toute façon, parce que là, les tricheurs ont moins de possibilités. Ah là. Moi j'adore ça. Et puis voilà, mais bon, pourtant j'avais l'impression d'attaquer, mais je sais pas, de toute façon c'est le sport automobile, il y a des différences de voitures. Hein. Puis, là où on avait aussi énormément de chaleur, il faisait une chaleur incroyable aujourd'hui. Oui, mais ça fait, c'est pour tout le monde. Hein, voilà, la sentence, elle est pareille. Oui, donc il n'y a pas à évoquer ça comme excuse, quoi, de tout ça. Mais voilà, bon, moi, j'ai attaqué tout le temps. Il y a même à un moment donné, dans le parc Beaumont, j'arrivais, je passe à... Maintenant, il y a une courbe que je passe complètement à fond. D'accord. Et là, je me suis laissé embarquer, j'ai cru que j'allais taper, mais sinon, c'est... Mais bon, bah, j'étais content parce que là, j'avais pris quelques repères, donc je pouvais passer, voilà. Toujours à pleine forme, quoi. Ouais. Et pour la nouvelle génération qui nous écoute, vous pouvez leur rappeler votre âge, à quel âge vous participez encore à cette course? Oh bah je vais avoir 82 ans au mois d'août, le 13 août. Donc c'est magnifique de voir ça. Oui, c'est la jeunesse. Enfin, j'attaque bientôt l'âge mûr. Hein, ouais, voilà. Bon, merci beaucoup pour la petite interview et puis je vous dis à bientôt sur le Grand Prix. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.